Je suis Véronique Pagnol, gynécologue obstétricienne. J'ai une pratique essentiellement libérale de ma spécialité et je reçois de plus en plus de patientes qui atteignent l'âge de la ménopause. Donc aujourd'hui, avec notre ménopause Oména, nous allons vous parler des douleurs articulaires. Les femmes ménopausées se plaignent souvent de douleurs articulaires, essentiellement le matin au réveil, et ces douleurs qui touchent essentiellement les doigts, les poignets, mais qui peuvent aussi toucher les genoux, les pieds, les hanches, etc. Il faut un petit temps de déverrouillage et certaines femmes continuent à avoir des douleurs articulaires dans la journée. Donc pour traiter ces douleurs, on sait que le traitement hormonal de la ménopause par un mécanisme qui est mal élucidé ont un effet bénéfique sur la survenue de ces douleurs. Mais pour les femmes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas prendre un traitement hormonal, il existe d'autres solutions telles que avoir une activité physique régulière, l'activité sportive et éviter la prise de poids ou perdre du poids lorsqu'on est en surpoids. Avec notre ménopause Oména, nous allons vous proposer un programme dans lequel nous vous encourageons à vous engager avec des conseils à la fois hygiéno-diététiques pour contrôler votre poids et des conseils sur l'activité physique. L'idée qu'il faut faire marcher ses articulations, il faut faire fonctionner ses articulations et faire du sport, le sport que vous aimez, ou bien la natation, le jogging sans excès, le pénate, la gymnastique, ou tous les sports que vous aimez. Nous allons également vous proposer des traitements tels que la méditation et les TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales. Merci, à bientôt.